Salut, je suis Aldo et ça c'est un petit ad de la cabasa. J'adore la cabasa parce que c'est une bouteille de l'eau naturelle pour des voyageurs comme moi. Et lui c'est mon petit nephew. Putain, comment on dit nephew? Nice. C'est une petite ville dans le sud de la France où Arnaud et Alizée ils étaient mariés là-bas. Et hey. Alors donc moi je suis un voyageur et j'ai fait la cabasa, c'est une bouteille naturelle. Oui, vous pouvez utiliser pour de l'eau, mais pourquoi? Comme tu peux utiliser des cachaça. Tu peux faire un petit thé. Et la cabasa favors natural fermentation of whatever you put inside. Donc il faut mettre un petit de sucre naturel comme de la miel, rapadura, ou des fruits comme cajou, açaï, guarana. Et voilà. Et tu peux mettre dans les frigos et avoir un boire, un drink fraîche, frais. Et bah oui, c'est super. Et oui, et most importantly, la cabasa a une odeur spécifique, un parfum si tu veux. Il faut laver votre cabasa toujours, tous les jours, bah oui, pour conserver cette parfum. Voilà, c'est ça, la cabasa de Aldo. Oui, bisous de Taguachinga, Brésil. Bisous, bisous. Je vous adore. I love you. Ciao.